Yo tout le monde, c'est Kylian, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Arc et joyeux Saint-Valentin, c'est la Saint-Valentin, ça y est, les chocolats, tout le monde va pouvoir grossir, les cadeaux coûtent une blinde, n'est-ce pas les copains? Oh oui. Cher. Donc aujourd'hui du coup, je ne suis pas avec Martine, mais je suis avec Anto et Ray. Ray que vous avez pas vu depuis longtemps, parce que la dernière fois que vous l'avez vu, c'était dans l'épisode de Pâques, où du coup il s'était pris une décharge dans le cul, c'est la dernière image qu'on a de toi. Non, t'en as pris une aussi, je crois. Oui, oui, en sneaky peeky. Ouais, t'en avais pris, ouais. Après. Oui. Donc, comment tu vas? Ah, bah écoute, ça va, la forme. Je dirais même que. Bah, que mon gigano, il va bien aussi. Ah oui. Donc, alors, du coup, je vais montrer ta base là. C'est pour ça, en fait, je ne spoilais pas. Donc, j'allais montrer ta base où t'as fait la folie des grandeurs. Attention. Attends, tac. Et là, c'est parti. Oh là là, oui. Il est content, hein. Calme-toi, on sait que c'est la saison des amours, on sait que tu vas, hein. On le sait. Donc on va montrer un petit peu ton... ta petite maison. Autant dire... mince, le petit fail. Autant dire, c'est assez drôle parce que nous, de notre côté, dans notre base, on est très luxueux au niveau de la base. On n'a pas énormément de dinos, à force de changer de serf, c'est casse-couille. Alors que lui, il est moyennement luxueux dans la base, mais alors par contre, ça y va. Alors niveau dino, il y en a, t'as de la couleur. Ah, salut Anto. niveau dino, il y a de la couleur. Alors, ah oui, faut préciser aussi que t'as un délire avec les gens. Je sais pas d'où ça vient. J'ai un pote qui s'appelle Jean-Marc, voilà, c'est tout. Ah oui, voilà, ok. Donc maintenant, il y a des gens partout. Il y a Jean Blanco, lui c'est Jean-Charles. Là, il y a Jean Gakiller, Jean Chocolate, Jeanne Chocolatine, Jeanne Farmeuse. Bon, on va pas tous les faire. Mais bon, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les couleurs. Il y a Jeanne Orangina. Je fais le tour. Orangina. Oh là là, non mais c'est bon. On va arrêter plutôt que pas vu. Donc du coup, hop. Alors aujourd'hui, l'épisode sera porté sur l'accouplement des dinosaures puisque c'est la Saint-Valentin. On va faire plein d'accouplements. On va profiter du coup de tout le panel, on va dire, de couleurs et de dinosaures de Ray. Donc les spinos, ça va, t'en manques pas trop? Non, ça va. Ça va, je suis bien. T'as seulement deux alors, jours de farm pour ça. Je vais voir. Ah, ah la gueule! Le dunkel, la gueule! Magnifique. Ah là là! Oh, mais c'est pas des dents, ça, comment ça mange ce truc? Une mâchoire, tout entière. Oh la vache. De l'os. Alors, ah, le basi ici. Très joli, très chouette. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, ça marche un petit peu. Ah ouais, oui. Attends. Ouais, il s'est coincé. Ouais, je regarde. Allez, quand tu veux. Ah, c'est trop petit, je crois, il a pas assez d'espace. Bon. Non, il y a trop de monde en fait, là, c'est pour ça. Je veux pas. Donc, du coup, je vais montrer à tous les autres. Il y a deux giganos aussi, un mâle et une femelle. On a encore des dragons au cas où, pour ceux qui n'auraient pas vu qu'il y avait des dragons. On a Copain, que j'ai pas encore eu l'occasion de tamer, que je n'avais encore jamais vu. Jean d'Or, alias, ah, j'ai plus son nom, comment il s'appelle? Megalosaurus, je crois. Voilà comment il est beau gosse, regardez-moi ça. C'est celui qui fait dodo la journée pour mieux nous défoncer la nuit dans les grottes. Allez, fais dodo. Voilà. Regardez-moi ça. Eh, regardez-moi comment c'est bien fait. Hop, excusez-moi, pardon. Regarde. Hop, les yeux fermés, hein, tout et tout. Hein. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Donc, donc voilà, des dragons, par centaines, par milliers, des rouges, des bleus, des verts, des Power Rangers, des machins, des... il y en a partout. Et des swings qui a changé de couleur, du coup. Et d'ailleurs, des swings, il est tombé Red Love d'une femelle. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle est là-bas. Non, elle est pas là. Si, si, elle est devant toi. C'est elle? Ouais, c'est elle, là. Tu sais, je l'ai reconnue direct. Elle est trop belle. Là, je elle est trop belle. Ouais. Je vais la montrer comme ça. Regardez-moi. Oh, regardez-moi cette belle gosse là. Regardez-moi ça, c'est pas un beau couple les deux? Oh là là, vous imaginez le bébé? Donc du coup, que propose cet event Saint-Valentin? Je vais vous le dire tout de suite. Donc, qui a la coupe de cheveux déjà pour que je montre? Oh, je l'ai. Donc, la Saint-Valentin, en fait, du coup, c'est un tout petit événement. Il n'y a pas énorme chose. C'est pas comme Halloween ou quoi que ce soit. Donc, quand les dinos s'accouplent, il y a 10% de chance qu'ils nous lâchent une petite boîte de chocolat. Qui soit nous restaure 50% de nos points de vie, ou sinon, nous augmente... l'intégralité, pardon, de nos points de vie. Ou sinon, nous augmente 50% du timing.
Et ça, c'est pas dégueulasse. Quand tu dois attendre 10 ans pour une cracotte, ça, c'est pas dégueulasse. Donc, du coup, après, on a des bonus de vitesse. Mais ça, Anto, les bonus de vitesse, d'accouplement et tout, ça, c'est il faut le taper sur le serve, c'est ça? Ouais. Voilà, en fait, c'est il faut taper vite d'ail. Du serveur. Voilà, et donc, nous, on peut pas le faire. Donc, du coup, ça, on l'a pas. Et on a les coupes de cheveux. Et alors, les voilà. À la Chabal. T'as une paire de ciseaux ou pas? Non, j'ai pas. Tiens, cadeau. Fais clic droit sur moi sans me le faire et tu montres la barbe romantique. Ah, mais tu l'avais parce pas que... Non, là j'ai la barbe longue. Ok. Donc, on va montrer la barbe romantique et puis après on va lancer les dinos. Tac. Donc, voilà la rom... Ah ouais, non, mais il est... Ça, c'est romantique. Ah oui, c'est rasé. Mais il y a quoi qui... Ah mais ça, c'est... C'est pour ça que j'ai remis la longue barbe, parce que c'est moche. Puis ça fait très... comment t'appelles ça? Tu sais, méchant, ça fait méchant, tu sais, le roi méchant dans les jeux ou dans les oui, films. Oui, c'est trop ça. Donc du coup, je vais vous montrer moi mon personnage pour les filles, du coup, ce que ça donne. Donc en fait, c'est des grands cils. C'est des très très grands cils, mais bon, ils auraient pu nous mettre un plus beau trait d'eyeliner. Hein. Si je dis ça, je dis rien. Avec des cheveux en arrière, je pense que c'était la mode pour cet event. Tout simplement de prendre les cheveux de base et puis tu les fous en arrière. Ça, c'est rapide. T'as l'impression qu'il y a un effet de vent constant dans tes cheveux. Donc du coup, ça doit être ça. Et du coup, on a l'armure Manticore, donc c'est un mode. Ouais. Donc on a l'armure. Bah venez à côté de moi, tenez. Chacun à côté de moi pour montrer un petit peu. Et on a... Non, c'est faux, on n'a pas du tout eu la même idée sans se concerter, moi et Ray. C'est affreux, on a les mêmes idées sur beaucoup de choses. Donc du coup, et Anto en blanc. Sa couleur de prédilection, le blanc. C'est hyper beau. Attends, je vais remettre mes cheveux. Ça fait quand même plus classe comme ça. Ah, regarde là, pas. Là, ça change, c'est clair. Donc du coup, on va attaquer les reproductions. Donc je vais vous dire ce qu'on va reproduire comme dinosaure. Aujourd'hui, on va reproduire... Alors, le couple de Gigano là va être en reproduction et on va faire un bébé Gigano. Pour le peu qu'on ait des triplés, on sera pas dans la merde. Ouf. Ensuite, on va faire un bébé Spino. On va faire un bébé T-Rex. Calme-toi. Un bébé T-Rex et un bébé Manticore. Puisqu'il y a un mâle et une femelle. On va tester ça, moi, Ray et Anto. On n'a encore jamais vu de bébé Manticore. Donc du coup, on va voir ce que ça va donner. Et... Il faut que j'aille au portail montrer les nouveaux. Je vous avais dit que j'en avais pas encore vu. Ça y est, on en détient quelques-uns. Ray en détient encore plus. Attention, j'ouvre la porte. Les moutmouts. Les super moutmouts. Donc du coup, regardez-moi ça. Donc les mâles ont des petites cornes et les femelles n'en ont pas. Regardez-moi, ils sont pas trop mignons sans déconner. Vous les avez pas vus petits. Oh, petits, ils sont choux. C'est abusé comment ils sont trop mignons. Donc on essaiera de parler d'une kebab partie. Non, arrête avec ton mode là. Oui, c'est un mode aussi, ça. Arrête, pète pas tout. Donc du coup, regardez-moi comment... Attends. Voilà, regarde-moi. Ils sont gros mignons. Là. Oh, ces petites beautés sur pattes. Ils sont trop choux. Hop. Je les recule. Hop. Donc ça, on fera peut-être un... On fera sûrement un bébé moutmout. Aussi. Ouais. Donc on va commencer maintenant, les copains, parce que ça va mettre énormément de... Il y a aussi ça comme bébé miroir. Faut leur montrer. Oui, dis-moi. Attends, je ferme la porte. Parce que je sais que tu vas craquer parce qu'il sera trop mignon. Alors, attends, j'arrive. Au secours, secours, secours. Ah oui, t'en as deux aussi? Oui. De quoi? Purlovia. Femelle mâle. Oh non, ah, ouais. Ah, j'étais pas au courant, tu vois. Ah, le mec, c'est même plus ce qu'il t'aime à la fin, tu sais, il y en a tellement en deux jours. Oh ouais, on va commencer avec les giganes. Activer la pronate, comme ça vous montre en même temps. Et là, du coup, je fais caler. C'est lequel, la femelle? Tiens, faut que tu regardes, viens, tu te mets là et tu regardes la patte, comme ça t'auras ça avancera en même temps. Et là, ben, U, tu mettrais U. Ah, voilà. Ok. Donc, c'est bon. Donc, je propose qu'on fasse pareil avec le T-Rex maintenant, qu'on aille chercher les T-Rex ou qu'on fasse pareil pour le Spino. Comme ça, ils vont être à peu près dans les mêmes progressions. Bon, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de sel. Ouais, t'inquiète. Mais... Du coup, vu que c'est l'épisode spécial Saint-Valentin, c'est l'épisode spécial romantisme. Bon, du coup, j'aurais pensé que dans Arc, ils auraient rajouté un tout petit truc trop rigolo, je sais pas, pendant l'accouplement, qu'il y ait plein de cœurs autour ou une connerie. Mais du coup, ils l'ont pas fait. On va pas leur en vouloir non plus. Bon, ça va assez vite, la progression de l'accouplement, quand même. Ça va. Eh, oh, tu te détends, Jupiter Montagnier. Ah, il est heureux. Enfin, elle. Oh, putain. Ah, ça fait mal aux doigts quand même de mitrailler. Non, ça va assez vite. Donc c'est bon, vous êtes en train de faire Spino et T-Rex.
Bah écoute, non, j'ai un petit problème. Il y a un Rex qui est parti dans la flotte comme un gros con. Il était bloqué par Bazzi. Là, du coup, c'est bon, il s'est débloqué, mais il est vraiment con ce machin. Tu sais quoi, j'ai eu pareil avec le Spino qui s'est coincé avec le Quetzal. Ils veulent pas. Non, moi, je ne veux pas. C'est bon, c'est pas des mêmes. Ouais, ce que je voulais dire, ça vient pour moi. Peut-être qu'elle est trop moche, hein, et qu'il veut pas. Après, il va falloir qu'on teste ça aussi pour la Manticore. Du coup, où est stockée la viande? C'est dans les dragons? Il faudra que j'aille en chercher. Dans Jeanne Rangina. Donc elle est juste à côté. Voilà, mets-toi à côté de la belle là. Elle a un beau level. Voilà. Je vais mettre le personnage à côté de Deathwing. J'ai mal au bras. Dora, où elle est? J'ai mal au bras. Alors. Ça avance, on y est presque. Après, je vais mettre ma viande dans le. Au milieu dans le feeding touch. Ouais, ça okay. Marche. Ça. Voilà. Ah, mais on a craché un bout, hein. Du coup, faut que tu disables, hein. Oublie pas. Oublie pas, ouais, sinon ils vont se barrer. Hein. Surtout, vu la taille de leurs jambes, passer deux murs, c'est pas le problème. Hein. Voilà. La femelle, c'est elle. Ah voilà. Non, c'est la femelle. Le petit œuf, le pose. Du coup, où est-ce que tu poses tes petits œufs, Ray? Je me souviens plus. Ah, à côté de la table, je crois que tu l'as posé. Attends. Faut que je te dise. On va quelque les poser chose. En même temps. Voilà, c'est ça, parce que le gigano, en fait, faut qu'il soit à une température bien précise. Ah, parce que c'est très bon à savoir. Il est très casse-couille. Faut qu'il soit à une température bien précise, sinon c'est soit trop chaud, soit trop froid. Du coup, faut le mettre au milieu de plusieurs feux et éteindre, allumer au fur et à mesure. Ça marche. Donc là, ils sont en train de. Oui, on est en train de faire en sorte que les Spino et Rex fassent ensemble. À la limite, tu peux garder l'œuf sur toi et tu peux t'occuper des Purlovia si tu veux. Ok. Comme ça, on fait tous les œufs en même temps, tu sais. Ouais, comme ça, on est tranquille. Alors, où sont les Purlovia? Il y a tellement de dinos ici. C'est le machin qui est sous la salle. Ah, là, c'est bon. Ouais. Non, mais oui, mais je cherchais le machin au sol, justement. Alors. Tu peux les faire là-bas. Hein. Bon, je le fais ici, ouais. Hop. J'ai une musique dans la tête, elle est horrible. T'as quoi dans la tête? Elle est parfaite pour l'instant, Valentin, t'es prêt? Vas-y, c'est bon, vas-y. Et vive les gros nichons! Oh là là, putain. Les aléas de l'amour. Hein. Les gros trucs de bouffe par défaut, tu sais. Ah, ça va assez vite, les purloviens. Le gros truc de bouffe. Ça va en faire des yeux, il reste encore après la Manticore. Je m'attendais à du Orelsan. Oh non, quand même pas. Ah non. Moi en plus j'écoute pas dans Orelsan. Ah, j'aime bien moi tu vois. Moi j'ai du mal. Après ce n'est que mon avis personnel. Ça va, la progression va assez vite pour le Purlovia. Vous en êtes où vous? Moi j'ai le progresse. Ok. Oh le bras. Donc la femelle était pas d'accord, hein, donc c'est compliqué. Ouais, effectivement, ça a dû être complexe. Attends, je vais descendre légèrement ma voix au fur et à mesure. Je vais pas te faire une partouze. Allez, bah, il y a un mâle et deux femelles. On dit la Saint-Valentin. Après, il nous reste plus que la Manticore. Ça supplie quoi là? Y, ça fait quoi? Attends. Non. Greg, t'as sifflé. La mort. Stay, tu restes ici. Oh, ah bon, bah c'est ça très va. Bien. C'est ce qu'on voulait, donc c'est le principal. Ok. Après, il nous reste la Manticore. En fait, moi, je fais jamais en moi-même. Enfin, ça fait très très longtemps que j'ai pas fait d'accouplement de dino, quoi. D'habitude, ouais, je les tame, mais je fais pas d'accouplement, quoi. Jamais vous voulez une petite technique, parce que généralement, quand on active le Wandering, le temps qu'on active la balade, le temps qu'on active la balade sur le deuxième, il a le temps de se barrer le premier. C'est assez chiant. Moi je les siffle en fait, donc je les fais en follow sur moi, donc ils bougent pas. J'active la balade et à partir du moment où je sais que bah, je peux y aller, bah, je mitraille U. On va être deux à mitrailler U l'un au-dessus de l'autre, ça va être drôle. C'est bon. Allez, on siffle. Alors logiquement, la seule chose différente qu'on va voir, c'est que le Purlovia et le Manticore... Non c'est normal, c'est parce qu'elle doit accoucher, c'est pas un œuf, c'est un mammifère. Oui. C'est bon, t'as désactivé? J'allais le faire. Ok. T'as fait pour les deux? Ouais. Ok. Donc, il reste Manticore. Je vais bouffer l'œuf qui est là, tiens. Vas-y, bon app. Pas le mauvais. Ouais, là je mange le bébé. Le truc immonde.
Tiens, voilà. J'arrivais avec un bébé dragon. C'est vrai? Ouais. Oh merde. Ça, avec. Oh merde. La journée de merde. Je voulais faire un drop, j'ai fait. Bah, il y a eu un bug, et je fais. Oh non! L'air con! Le truc, il y en avait deux d'un côté de l'autre, le normal il l'a pas bouffé, par contre le fertilisé il l'a bouffé. Oh non! Oh, ça doit être affreux. Il y avait un petit. Dieu. Il y a un petit os. Ah! Ah, les... c'est vrai que les lystrosaures, je me dis. Ouais, te vénère pas comme ça toi. T'en es où? Putain, quand la femelle, je l'ai. Ah, t'as réussi, c'est bon? Ouais, la femelle elle arrive en gestation, genre elle a fait un cri, mais elle a un souffle en fait, elle m'a poussé. La connasse. Ah, l'autre m'a suivi alors que je lui ai dit de plus me follow. Ah, attends. On attend la gestation. Moi, je propose qu'on attende, qu'on peut poser les œufs et on fera la gestation après, hein. Comme ça nous permet d'avoir un peu plus de time. Ouais. Ah, ouais, d'accord, j'ai la tête. Alors, il y a quoi le mien? Waiting. Il est trop froid, trop chaud. Trop froid? Eh, imaginez les mecs sans déconner, dans chaque œuf des triplés. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire déjà qu'il y a 3 œufs à gérer à 3, ça va, mais qu'on a en plus la gestation là-bas. Je me disais, c'est quoi ce bordel? Oh, ça va, ça avance vite au niveau de sa gestation. Alors, savoir aussi que, petite information, les. Vous avez vu, romantique, quand vous avez. Ah, il y a des coupes de temps en temps quand tu parles, il faut que tu parles un peu plus fort. Pardon, je disais les coupes romantiques et la barbe romantique qu'on vous a montré. Donc, le style de cheveux et de visage. Sont débloquables justement trop froid, grâce au. Trop froid pour l'œuf de Gigano. J'essaie de faire ça. Sont débloquables. Ah, c'est bon, quand j'ai mis ma torche, c'était bon. Sont débloquables grâce justement aux boîtes de chocolat qu'il est censé pop en droppant lorsqu'on fait un bébé. Il faut 5 boîtes pour les cheveux, 5 boîtes pour le visage. C'est ultra compliqué de les avoir, hein. Nous on l'a fait pour pouvoir vous montrer et ça se craft à peu près comme tous les events au cooking pot. Il y a aussi les émoticônes débloquables, bon, c'est un émoticône où c'est écrit hurt, love, je sais plus, je crois que c'est des émoticônes ouais, de ce style. Il nous faudrait ça pour la vignette, tu sais, tous les bébés avec derrière le truc. Eh, tu sais que j'ai un peu l'impression que c'est comme un Kinder Surprise là. J'ai hâte de voir la surprise à l'intérieur. C'est ressenti. Il y a le... Par contre le Spino il va beaucoup plus vite, hein. Ouais. Ah, le Gigano, ouais. Il prend son temps, hein. T'es là, Ray? Bon, Ray, on l'a perdu pour le moment. Ouais, bonjour, oui. Hein, hein. Ah, excusez-moi, donc, j'étais parti à reprendre du poids. Alors, qu'est-ce qu'on a, alors, attends. Là, c'est bon, les températures, oui. Oui. Le Gigano, il va mettre 15 ans, quoi. Ouais, le Gigano, il est assez long, quand même. Vérifier gestation des deux là. Ouais. Moitié chacun. Moitié? Ok, très bien. Ça va être trop drôle. J'ai trop l'impression que c'est un Kinder Surprise le bordel. Je te jure, avec la surprise. J'ai hâte de voir quelle surprise je vais avoir aujourd'hui. Imagine 3 manticores, 3 Gigano, 3 Spino, 3 T-Rex, 3. Ah, j'ai plus le nom, c'est les. Purlovia. Ah, Purlovia. Imagine, on fait des moutons. 3 moutes. Ah, les moutons, faudra faire les moutons. Non, pas 3 moutons. Ça m'entend. On le fera après. Ça m'entend fou. Ouais, c'est... ah bah oui, c'est vrai, parce que t'as plusieurs. Oh là là. J'imagine. Attends, moi, ce que je me dis, c'est imagine. Tu vois la taille de l'œuf là, de Gigano. Ah oui. Alors, imagine. T'as un petit trou à l'arrière, tu sais pas ce que c'est, et au moment où il est censé éclore, t'as une horde de troudons qui te saute à la gueule. Oh là 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 là, alien le bordel. J'imagine. En attendant, vite fait, je fais une petite ellipse. Je tiens à vous remercier, du coup, vous avez été super nombreux à suivre l'aventure The Forest et ça fait vraiment plaisir. Je pensais pas qu'elle allait être autant suivie. Je savais que les anciennes vidéos The Force, c'était pas des masses suivies. Là, ça m'a trop fait plaisir. J'ai pris énormément de plaisir à monter les vidéos. Et comme je vous ai dit, pour ceux qui me suivent sur Twitter, et d'ailleurs, c'est important de me suivre sur Twitter, c'était trop drôle parce que, sans déconner, il me restait à la fin, là, il me restait 3 gigas d'espace libre sur mon disque dur d'un tera qui me sert uniquement à rec mes vidéos. Donc, je ne pouvais plus rec. J'étais vraiment bloqué. Donc là c'est bon, j'ai pu tout supprimer l'intégralité. Là c'est bon, je peux partir sur 1 tera de arc sans souci. En tout cas ça fait vraiment plaisir. Ne vous inquiétez pas, il y aura une suite pour The Forest. Au niveau de l'histoire en elle-même, l'ending a été posté. Donc pour le moment il n'y aura pas de suite puisque ça, on a fait la fin. Après j'ai appris plusieurs choses sur The Forest, sur l'histoire.
des choses qu'on n'avait pas forcément vues. Et Kanto m'a expliqué et tout ça, donc je pense que je vais faire une vidéo sur ça, sur l'histoire, mais un peu plus travaillée de The Forest, parce que du coup, j'ai su des choses et je pense même que vous, vous ne le saviez pas. Je ne vais pas mentir, je pense que vous ne le saviez pas. Donc, ah, il fait trop froid pour l'œuf. Attends deux secondes, je suis en train de parler, Gigano. Ah bah c'est bon, merci. Reste contre. On va rester à deux comme ça. Hein. C'est vrai que je suis en train de le faire cuire, j'ai la torche collée à l'œuf. T'sais. Grave. T'imagines, là, il souffle, c'est une omelette. La grosse merde. Et donc, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, les autres vidéos arrivent prochainement. Il n'y aura pas de vidéo mercredi sur la chaîne, puisque mercredi, c'est le jour du déménagement. Vous savez, je suis en plein déménagement. Du coup, c'est les cartons, c'est le bordel. Il y a le lit qui est démonté. Du coup, on dort sur un matelas par terre en attendant. Donc, c'est un petit peu le bordel. Vous savez comment c'est, les rushs de déménagement. Donc, mercredi, c'est le jour du déménagement avec Kanto. Et je pense qu'à partir de jeudi... Je sais pas si je verrai qu'une vidéo mercredi soir. Je vais pas vous mentir, je pense qu'on va être fatigué. À partir de jeudi, peut-être que jeudi soir, je tournerai une vidéo. Mais en tout cas, à partir de vendredi, je pense qu'il y aura des vidéos. Mais laissez-nous le temps de tout mettre en place, d'en mettre en place les setups, les connexions et compagnie et compagnie. Donc, du coup, c'est bon, il a chaud, il est bien. Oh la vache, il met du temps. C'est bien, mais si je m'enlève, il est pas bien. Attends, attends. Oh là là, les incubations pour les deux, là, on est presque. Ils en sont où les autres, je vais aller voir vite fait. Je sais, j'ai pas envie qu'ils aillent sur le feu, en fait, j'aimerais bien les déplacer. Ça, ok. Alors vas-y. Tu veux les bouger si tu veux. J'ai repris celui de Gigano parce qu'il faisait trop froid même avec ma torche. Et c'est normal, il fait nuit. Yep, t'inquiète, je suis en train de corriger ces petits problèmes. Oh, il y a le bébé. Bébé manticore. Oh merde, oh j'arrive. J'arrive, 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 j'arrive. Oh, vite, vite, vite. Oh, il est mignon. Tu peux aller chercher de la viande. Tu m'as dit où est-ce que t'avais mis, où est-ce que tu l'as dans mis. Dans le dragon, Jarena, orange. Ouais, je l'ai. Ah, il y a aussi les bébés, hein, Purlovia. T'as pas de la... Ok, pas grave. Double Wandering. Voilà. Tac. Allez, descends. Tiens. Bah, il a l'armure. Ça va être... Il est con, là. Voilà. Hop, voilà, mange. Je vous l'emmène, le petit machin, là. Ouais. Il mange quoi, le Purlovia, déjà? Je me souviens plus. La viande. Oh, la viande aussi. Ok, cool. Yep. Attends, je l'amène à côté. Je suis en train, il est en train d'arriver là, il est en train d'arriver. Oh, il est trop mignon. Vas-y, emmène-le, je vais... Oh, chou. Bouge pas. Ah, oh, il est trop mignon. Oh, avec ses petites dents, on dirait vraiment quand j'ai faim le matin. J'ai la même tête. C'est... Les autres vont pas tarder à arriver aussi. Je vais m'allonger pour montrer à quoi il ressemble. Oh, vraiment mignon. Oh, il est chou. Oh, les yeux, elles baissent d'un ton quand même, mon gars. Et puis la manticore, en fait, ils se sont pas fait chier. C'est elle, mais en plus petite. Hop. Ah, trop beau. On y est presque au niveau de la... Il y a le... Ah, ça avance, ça avance. Oh là là, ça y est, le Spino, ça arrive. Yep. On arrive, on est sur un filon, là. Attends, par contre, je vais régler le problème, là, ici. Oh Spino. Faut le faire venir sans qu'il aille dans le feu, si possible. Ouais. Yep, ouais, tu veux le faire... Il s'appelle Wandering. Le plus important, c'est pas qu'il arrive doucement, c'est qu'il arrive. Allez, voilà! Allez, joyeuse année! Voilà, le truc, c'est que si t'essaies d'y aller doucement, mais que comme un con, il reste en feu. Comme ça, il y en a les trois. Et bah, sur dragon, on peut pas! Ah, cool! Vraiment cool! Bah, ça y est, alors. Oh, c'est moi, ils ont tous un problème au niveau des yeux. L'autre aussi, le Purlovier, il a les yeux rouges. Ils sont. Oh, y a un problème, non, là. Eux ils ont les yeux rouges en fait. Les Spino ils ont les yeux rouges. Oh, ouais, par contre les couleurs, c'est les couleurs tirées du papa, non? Tu sais, c'est celui. C'est pas celui dont je t'ai parlé la fois dernière, c'est Didi donc, il a des couleurs super chouettes et tu m'as dit, oui, il est beau. Ça, c'est la maman, ouais. C'est la maman. Ah bah voilà, bah, dis donc. Oh, super. Couleur tirée sur la maman avec le ventre sur le père. Ce que je propose, joli, hein. Sachant qu'ils vont se nourrir tout seuls après, c'est qu'on les approche du feeding touch. Bah ils y sont déjà là. Ah oui, il y en a un là, pardon. J'ai oui, il y en a un, c'est bien. Alors, on en est où au niveau de Thorex? Ah, on avance, on avance. On n'a pas eu de triplé pour le moment. Est-ce qu'on va en avoir un par la suite? Du coup, Gigano, l'œuf, il a été replacé ou pas pour le moment? Non, je l'ai gardé sur moi parce que il est. Je suis en train beaucoup, de... beaucoup trop froid. Ouais, non, je suis en train de corriger le problème. T'inquiète, j'attends juste que le Rex.
Ouais, il spawn arrive. Et puis je règle le problème direct. Tu sais, il va mettre une bûche géante de 2 mètres. Ah bah regarde, il y a ce qui apparaît à côté du feu, tu comprendras vite. Ah oui, ok. Tu nous fais une colonne ta. Bah oui. Vous avez été éliminé. Votre sentence est irrévocable. Je me demande, c'est quoi la taille du Gigano? J'ai pas trop envie qu'il se prenne le mur en fait. Bah c'est quand je vois la taille de l'œuf, je me dis que c'est plus grand qu'un Maxi Kinder Surprise à Pâques. Ah. Normalement, il fait la taille de la Manticore adulte en bébé. D'ailleurs, en parlant de Maxi Kinder Surprise, je vais vous raconter une anecdote assez drôle. Quand j'étais plus jeune et que je faisais Pâques tous les ans, j'adore Pâques. Et d'ailleurs, en fait, il y avait les Maxi Kinder Surprise qui étaient sortis à l'époque. Et moi, j'en voulais trop un. Moi, j'étais là, j'adorais le chocolat, j'attendais les surprises. Alors, un Maxi Kinder Surprise, c'était trop bien. Et du coup, il y a mes parents, ils avaient caché les Kinder et tout. J'ai dit à ma mère, ouais, est-ce que j'ai un Maxi Kinder Surprise et tout. Et ma mère me fait, ouais, t'auras un œuf énorme. Et là, j'arrive et tout. Et j'ai tous les œufs. Et là, je fais, mais il est où mon œuf énorme? Et elle me fait, non, mais c'était pour déconner. Oh, je me retrouve avec mes petits œufs Kinder, avec mes petites voitures à monter. Alors que moi, je voulais le gros Kinder Surprise. Ah, j'en voulais un. Et je crois que j'en ai. Vous savez, je mens pas. Toi derrière ta caméra, je n'ai jamais eu un Maxi Kinder Surprise. J'ai eu celui à thématique là, quand j'étais plus jeune, le Barbie machin, saloperie là. J'aimais pas les Barbies, qu'est-ce que tu veux que je foute une Barbie? Mais par contre, je n'ai jamais eu le Maxi Kinder Surprise avec le gros œuf à l'intérieur là que tu pètes. Non, j'ai jamais eu. Ils sont trop bien. C'est ce que j'aimerais. En fait, moi, je veux pas des pouces bleus sous mes vidéos. Je veux des Kinder Surprise. Ça, et c'est bon en plus. Il y a un jour que je l'envoyais en convention. Ça arrive, c'est du Kinder. Ouais. Kinder Surprise Power. Et alors, les maxi, laissez tomber. Hein. Allez, ça arrive, ça arrive. Allez, deux triplés. J'explose si c'est les Giganos. Ils vont tous se pousser, tous au feu, oh, tout le monde putain. Crève. Allez, la mort de merde. Oh, il est tout seul. Mais oh, mignon. Il est rigolo. Il a une tête plus grande que son corps. Oh, il est vite! Il fait de la lévitation! Pipalapipapou! Attention! Ils vont tous se manger les flammes! Ah, c'est bien! Là, il est bloqué! Il va pas se cramer! Ah, bravo! Oh, il est trop chou! Petit déjà con! Ah, bravo! Il me fait penser au dessin animé, un vieux dessin animé! Oh, les pattes! Vieux dessin les pattes. Animé déjà que c'est pas grand bébé. Les pattes, mais alors là! Ah ouais? Un Disney, je crois, quoi, en plus! Avec ses yeux rouges! Hein. C'est pas dans Petit Pied, justement, qu'il y a un Rex bébé qui vient ami avec eux, qui a la même gueule, avec une grosse tête et un petit corps. Bah Petit Pied, c'est pas avec un bronto? Si, ah, mais voilà. Ils ont un ami Rex, en fait. Ok. Hop, tiens de la viande, mon copain. Yeah, excellent. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on profite pour faire un mout-mout ou pas? Attends, je suis en train de mettre les torches, savoir. Là. Je regarde déjà s'ils ont tout. Yamaya. Ce que je suis en train de me demander en fait, c'est est-ce qu'il faudrait pas faire un pentagramme sur le sol en fait pour que le machin il puisse enfin avoir assez chaud quoi. Ah le bordel. J'imagine. Tu sais, il y a des LED au plafond chauffantes. T'as déjà vu les. Oh, votre torche a cassé. T'as plus qu'à mettre une marmite au milieu là. Et ça fait les. Comment on appelle ça? J'ai pas il a un cube. Tu as 7 chaleur. Ah ça bah me fait penser, tu sais, aux vieux rites où ils font cramer les gens. Ah oui, oui, les rituels, grave. C'est ça. J'en appelle à la mère Michel. La mère Michel qui a brûlé le père Benoît. Alors on va s'occuper des moutes-moutes. Yep. Je vais mettre un gamma 3, par contre. Voilà, ce sera plus agréable pour vous. Non, on va aller s'occuper de sauter. Avant de m'occuper des moutes-moutes, amusez-vous de votre côté. Je vais juste leur donner un petit peu plus de viande quand même. Ok. On sait jamais si ça tourne mal, vaut mieux. Je te laisse faire les moutes-moutes, moi je m'occupe de l'œuf de. Ok. Je vais faire les soupers moutes-moutes. Eh ben nickel. On va faire du moutes-moutes à volonté. Bah tu sais quoi, je vais aller chercher un peu de. Ça rigole, faudra que je montre, on peut couper. Ouais, on peut couper leur. Ah, oh, je sais pas, je dis leur poil, c'est pas du poil, c'est leur laine, merci. On peut couper, c'est rigolo. Il y a un effet de vent sur son pelage, c'est énorme. T'as vu? T'as l'impression qu'il va s'envoler, que ça va gonfler et pouf. Le truc, il va s'envoler, il va se barrer. Ah bon, on est bien là.
Allez, on a un bon système d'accouplement. Ça met un temps incroyable. Hier, on a commencé à minuit les moutons. Et sans vous mentir, je vous mens pas. Ray, bah, t'as eu une mise à jour Windows. Oui. Donc du coup, t'as pas pu être là pour terminer. On a terminé avec Anto à bien 3h15 du matin. Ouais, 3h15, 3h30. Ah, ouais, je te mens pas. On a fini à 3h30, donc là, on aura fini à minuit et des brouettes. À 1h. Ouais. Oh ouais, facile, hein. Ah, je te dis, ça, les moutes, la vache. Ils ont mis du temps, hein. C'est clair. Ça n'avait pas se décider. Hein. T'imagines si on était en x1. Oh, ah, j'imagine. Il faut pas. Savoir qu'on est en x20 là actuellement, ouais. Au niveau du pour les bébés, hein. Seulement pour ah, les bébés, sûr, pas sur oui. La totalité. Hein. Ça met un temps. Je trouve que ça a un peu abusé parce que pour moi, je suis enfin, moi je pars d'un concept simple. J'aime bien le concept de Arc et tout. Ah, c'est bon, elle est en gestation, madame. Donc, nice. Toi, t'en es où? Ok, eux, presque terminés. Ah, merde, un troudon. Voilà, ça, c'est fait. Et Fidèle. Toi, t'en es où? Non, ça va. Ok, presque terminé. Donc, du coup, en fait, j'adore le concept de Arc, mais je pars du principe que moi, mettons, si je travaille, ou Anto, il travaille, ou peu importe, Ray, quelqu'un d'autre travaille, et qu'on a envie de passer, je sais pas, moi, aller 4 heures à jouer à Arc. Et eh ben, si tu veux tamer un truc, t'es dans la merde. Yep. Parce que c'est beaucoup trop long. 10-12 heures hein, pour un gros level, genre un bronto. Ils se barrent tous, ça commence, tout le monde se barre. C'est chiant. Sifflez pour qu'ils te suivent. Ouais, ils ouais. Bougeront pas, sauf vers toi. Ok, ça va assez vite. Je vais aller voir comment ça va du côté de. Enfin, à quoi ils ressemblent du coup. Est-ce qu'ils grandissent? Est-ce qu'ils grandissent pas? Est-ce qu'ils sont mignons? Est-ce qu'ils sont tout je moches? Je pense que le Gigano et Clora, quand ils seront tous adultes. Hein. Tu crois? Ben, Gigano, c'est très très long par contre par rapport aux autres. C'est 10 fois, c'est 3 ou 4 J'imagine... fois plus long. J'imagine même pas pour grandir. Ah oui, non mais oui, oui. L'œuf de Gigano, il va éclore quand on aura un petit ovis juvénile. Grave. Ah oui, non mais c'est ça. Hein. Ah, ça commence à prendre un petit peu de taille. Oh, la manticore commence à grandir. Ah, le bébé T-Rex, qu'est-ce qu'il est choupi. Ah, yeah. Comment ils sont cool. Ah, le T-Rex, il a vraiment une bonne gueule. Hein. Il est sympa. En plus, il a des bonnes couleurs. Le Spino de même. Hein. Ouais, c'est bon. Ah, le Purlovia juvénile. Il reste plus que le Rex et le Spino. Et après, ils sont se vraiment tout seul. Cool en couleur. Oh, Moutmout. Moutmout, ça y est. Marquez le bébé. Mâle, femelle, quelle okay, couleur? Ok, attends. What the fuck, on est niveau combien cette araignée? 3. Oh, c'est bon, il y a les 3. Donc, hop, 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 les baies. Donc, attends, je te dis ça. Premier que j'ai, c'est. Attention. Un mâle. Le deuxième, le noir. Une femelle noire. Yes. Et le troisième. Il faut marquer. Voilà, c'est. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Un blanc. Mâle. Bon, bah, du coup, ça nous fait un kebab chacun. Bon, bah, on te laissera du coup la femelle noire. C'est ça. Du coup, si comme vous ça, voulez. Ça t'aura le petit couple. C'est ça. Si vous voulez, les mâles, vous pouvez les prendre. Sinon, ça ouais, fait tu sais que ça commence à devenir sacrément malsain. Tu sais combien on a de mâles? Qu'on peut, on a qu'une seule femelle, je crois. Pourquoi je sais pas combien de mâles? Bah c'est un RM inversé. Regardez. Ils sont trop choupilles. Un vrai petit boys band. Blanc, noir, rose. Yeah. En choup-choup. Vrai, l'armure Manticore, elle est vraiment cheatée. Hein. Ouais. Si vous voulez savoir, je prends juste... attends, elle est combien la Onyx là? Une Choupi. Onyx 48 et une Onyx 60. Elle met du 4 points de dégâts par attaque. Putain. J'ai 300 PV. Anto, tu sais que t'es mieux depuis tout à l'heure en jeu. Oups, je disais après on a chopé du Ramshackle avec beaucoup d'armure. Hein. Ouais, d'ailleurs au passage j'ai essayé d'optimiser un peu l'armure donc si jamais vous voulez aller voir c'est un peu plus optimisé. Ok. Mais roulement de tambour. On n'a pas eu un seul triplé depuis tout à l'heure. Et là si on a des triplés là-dedans, j'explose de rire ou des jumeaux, j'explose de rire. On a commencé le rec à 21h15. Pour vous, il y a une grosse ellipse, du coup, et il y a énormément de cuts. Là, il est minuit. Je vous mens pas, il est minuit. Et le regardez où est-ce qu'il en est au niveau de son incube, cet enfoiré. Il y a le... Du coup, j'ai eu un dragon. En plus, on a fait un dragon en attendant.
Les moutes-moutes, ils ont quasi fini de grandir. Ils ont quasi terminé de grandir. C'était ça. Les T-Rex Pino, pareil. Manticore, c'est bon, elle est adulte. Le Purlovia, adulte. Franchement, il n'y a que lui qui se fait attendre, quoi, cet enfoiré. Franchement, préparez votre 4 heures, quoi. Quand vous le faites, préparez le popcorn à côté, les chips, le Coca-Cola, un film. N'hésitez pas, hein, vous pouvez mettre, regarder 3 fois le Titanic d'affilée avec ça. Pas de soucis. Donc là, ça va arriver. Allez. Et moi, j'aimerais bien d'empêcher des jumeaux. Ou des triplés. J'en veux pas. Soit bah, de toute façon, je me dis, au pire des cas, de toute façon, ils vont grandir en même temps. Hein. Ouais, mais ça va être cancer. Je me dis, ouais, ah oui. T'as oh, vu oui. Déjà le temps que l'œuf a éclos? Grave. Moi, ah, mais là, on y est encore ça, jusqu'à... Attends, je dis ça, je dis rien. Juste, t'as regardé le temps que les œufs ont éclos, que les œufs de Spino, Rex, etc., ils ont éclos, d'accord? Ouais. Et t'as vu le temps où ils ont grandi? Ah oui. Imagine le temps que lui va grandir. J'ai pas imaginé encore parce que je me suis fait mal à ce moment-là. Bah je pense que tu pourras m'attendre jusqu'à 4 heures. Ouais. Bonne nuit. Grave. Oh nuit d'insomnie. Je suis pas prête de dormir. Ah ouais putain ça va être violent ça. C'est vrai que quand tu lances direct comme ça faut les lancer à 18h en fait. Comme ça tu termines à minuit. Ouais. Ou à 1h. Ah, il faut attention, prévoir ça, arrive, avant, ça. Ça arrive. Non, en vrai, c'est non, des questions de secondes là. En vrai, c'est juste tu le balances à midi et tu finis à minuit. Hein, c'est vraiment juste ça. Hein. Ouais. T'as pas intérêt à ce que tes parents t'appellent. Ouais, on va faire les courses. Oh non. Oh non. Non. Il a trop froid. Ce que tu fais là, c'est tu mets ton matelas contre la porte. Grave. Mais ouvre cette porte, je peux pas. Il y a une incubation en cours. C'est un gigano, maman. C'est une opération vraiment très délicate. Grave. Et là, je te jure, il souffle, c'est une omelette. Tellement il a eu chaud. Allez, c'est bon, il n'y a plus de jauge là. Vas-y, lance-toi. Allez. Allez. Allez, 10. On 9, l'appelle Jackie. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tada. Ah non. T'as dit t'allais, Ah, je peux chanter autant de temps qu'il faut hein, jusqu'à ce qu'il éclose. Hein. Oh ah. Putain, des jumeaux. Oh putain de merde! Fais gaffe, le feu! Bah justement, ouais, attends, faut éteindre le feu! Ah putain! Ah c'est bon, ah le con il est en train de se cramer! Mais du con là! Bon, siffle-les, qu'ils viennent tout de suite là! Attends, je vais. Bah, oh la connerie, c'est pour tout le monde ici! Venez là! Venez! Ça veut pas me suivre ou quoi? Des jumeaux. Tu vois, venez par là, vous. Ah. Ah, ça y est. Il y a un déblocage. Tu suives ? Ah, lui, il est bloqué. Eh, il est bloqué dans les flammes, hein. T'inquiète, si je me déplace de l'autre côté, il va venir. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Deux giganos. Un bébé 25 et un bébé 25. 25. Par contre, il faut redonner à manger. Je vais chercher de la viande. Ouais, je cours. Oh, je viens d'un pays d'internet. Les giganos sont des... Tiens. Hop, on prend la viande. Il y a peu de viande quand même. Ouais, mais je vais en chercher. Je vais aller en chercher en fait. C'est parce que j'ai rempli le T-Rex et l'autre. D'accord. Et... Il est où l'autre copain là? Attends, on va les mettre l'un côté de l'autre. Hein. Viens. Bah du coup, c'est les puissants qui devraient le rapprocher. Non, pas de dragon. Et pity. On va le mettre près de la mangeoire pour aller là. Chercher de la viande. Ouais, vas-y. Ok. Oh, attends, il y a le deuxième qui te suit là. Non, c'est toi qui suis. Il y avait le deuxième petit qui te suivait. Bah là, je vois Jean-Charles pour les deux. Hein. Ah, c'est bon, c'est parce que je l'ai rappelé. Je vais chercher de la bouffe, j'arrive. Hein. Des jumeaux. Putain de merde quoi. Le temps que ça va mettre. Des je veux pas le savoir. Ah bah oui, du coup, vous avez pas vu, du coup, c'est lui le petit nouveau de la famille. C'est le mélange entre Deathwing, du coup, celui que j'avais, et le rouge que je vous ai dit tout à l'heure, mais il est pas trop beau, sans déconner. Et bah voilà, c'est le fils. Alors tu sauras que le giga, il va bon, pas je dans te les, ramène dans la roue, de la roue, de la roue. De quoi? Nice. Il disait, le giga, il ne va pas dans la salle des boss. Il est trop passe pro. Pas ouais. Enfoiré. Pour au moins servir à quelque chose, hein. Ah, vu comment il nous a fait chier. Ouais, ce que j'allais dire, il nous fait tellement chier. Pourrait au moins servir à un bon truc quoi. Attention, j'arrive avec la marchandise. Donc du coup je pense qu'on va s'arrêter là mais tu loues parce que pour nous, ça, enfin pour ma part en tout cas,
ça va être encore long, très long, très long. Et après, à partir du moment où il sera juvénile, je pense que je vais le laisser manger tranquille dans la mangeoire. Ça va être mais bon, très, je vais quand même long. Surveilleux parce que je le sens mal. Donc, comme du coup, un mauvais je film la... au cinéma. Lequel, genre The Ring? Parce qu'il était mauvais. Oh oui, ah, faut que je regarde d'ailleurs, je l'ai vu, faut que je le regarde. Donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo sur la Saint-Valentin vous aura plu, mes petits loups. Je vous dis non pas à demain pour une nouvelle vidéo, puisque c'est le déménagement. Peut-être pas jeudi, mais en tout cas de sûr à vendredi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à vendredi. Ciao. Ciao tout le monde. Bisous. Attends, je me disais, c'est mal poli si tu dis pas au revoir, Ray. On prend l'habitude de dire au revoir d'habitude aux gens.